J'ai jugé utile donc de participer à cette université d'été, car c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de rencontre sur des sujets prospectifs. Et donc c'est la seule occasion dans l'année de rencontrer différents professionnels. Ce sont des universités d'été, donc avec une certaine décontraction, avec une position des acteurs qui ne sont pas là pour défendre des situations ou des revendications, mais échanger, s'interroger, se questionner sur que va être la santé dans les prochaines années. Et donc c'est une certaine liberté de pensée que l'on ne trouve pas forcément dans toutes les réunions. Un fonctionnement par territoire est nécessairement bénéfique au système de santé, puisque aujourd'hui la France est très éclatée et variée. C'est une richesse de notre pays. Vous savez que c'est le pays d'Europe qui a le plus de communes dans toute l'Europe. Il y a plus de communes en France que dans tout le reste de l'Europe. Et donc il faut que les territoires soient mis en avant. On ne peut pas concentrer sur les grandes agglomérations. On a très peu de grandes agglomérations. On a 42 villes seulement qui font plus de 100 000 habitants. C'est très peu. Et donc il faut que le système de soins se réintéresse aux campagnes, se réintéresse aux périurbains, se réintéresse aux banlieues, puisque dans les 10 dernières années, ces territoires ont été un petit peu délaissés et qu'aujourd'hui, ils souffrent de l'éclatement du dispositif de soins.